الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين قال الإمام الطحاوي رحمه الله ذلك بأنه على كل شيء قدير وكل شيء إليه فقير وكل أمر عليه يسير لا يحتاج إلى شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير Voilà une très jolie parole de l'imam tahawi euh, Rahimahullah, et on va expliquer cette parole lorsqu'il a dit Allah Ta'ala est le Tout Puissant sur toute chose. Toute chose a besoin de lui, toute chose est facile pour lui, il n'a besoin de rien et ne ressemble à rien et il est celui qui entend et qui voit. cest à -dire, en parlant de ce qu'il a dit avant les attributs de Dieu. En parlant de ses attributs, alors il a dit parce que Allah est le Tout-Puissant, après qu'il a parlé de ses attributs qui sont éternels sans début. Allah a l'attribut de la puissance par laquelle Allah a fait surgir de à l'existence toute chose qui existe. Tout ce qui existe a existé par sa puissance. Allah est le Tout-Puissant sur toute chose, ça veut dire toute chose qui accepte l'existence, tout ce qui peut rentrer dans l'existence, tout ce qui peut rentrer dans l'existence, Allah Ta'ala est le Tout-Puissant pour le euh, créer, le faire surgir de néant à l'existence alors dans ce sens là alors toute chose a besoin de lui et toute chose est créée par lui alors et toute chose a besoin de lui toi tu n'arrives pas de d'être de, 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 sans l'aide de dieu même clin même un clin d'oeil parce que chaque instant de ton existence

قيل قال بعض العلماء لحكمة يعلمنا التأني pour une sagesse afin de nous apprendre à faire les choses avec soin mais si Allah a voulu que le monde entier même plus grand que ce monde existe par un clin d'œil ça, ça arrive sans difficulté إذا كان ربنا يقول مثلا ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ونحن مليارات Nous, les humains, c'est des milliards. Allah Ta'ala a dit votre création et votre résurrection, c'est-à-dire le fait qu'il vous a créé du rien, le fait qu'il vous ressuscite, comme le fait de créer une personne. Milliards ou mille milliards, les créer, les faire mourir, ressusciter, même si la terre les a rangés ou certains sont brûlés, comme le fait de créer une personne et le ressusciter. Tout est pareil pour lui, tout est facile pour lui, rien n'est difficile pour lui. Azzawajal. Il crée les choses sans difficulté, euh, et on dit sans qu'on lui attribue les membres et les organes, sans lui attribuer le toucher, sans.

Et les Wahhabis, ils disent ça. Ils disent Allah a créé Adam par ses mains. C'est-à-dire, il a pris la terre, il a mélangé, il a, <laughs> il a fait de la terre l'argile comme les pattes, et puis le, le trace de, ses, de cette argile est collé à ses doigts. Est-ce que c'est comme ça qu'on parle de Dieu Azza wa on parle comme un boulanger qui prend les pâtes et qui mélange la farine avec l'eau ou que celui qui fait les briques d'argile et les mélange avec les mains ou avec les pas à pied. Par la suite, on dit « Allah a créé Adam de cette manière. » Allah a créé Adam, on dit «» c'est-à-dire avec soin, avec soin. Uh, rien ne rentre dans l'existence sans sa prédestination, sans sa création, sans sa science. Tout ce qui rentre dans le bâmant, tout ce qui rentre dans l'existence, c'est selon sa science, par sa création et selon sa volonté. Comme a dit وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين كما قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا وهو بكل شيء عليم. ترى الايات؟ سا بوكو دون القرآن سي ايات اون ايتي ريبيتي بوكو. il est celui qui sait tout, il votre الله voulu. لما كان هذه الصفات اللي نذكرها نحن السمع والبصر والكلام والقدره والاراده والعلم والحياه مذكوره كثيرا في القران والسنه، قال العلماء يجب معرفتها وجوبا عينيا. معرفتها بمعنى ايش؟ اعتقادها. Lorsque ces attributs ont été cités beaucoup dans, dans plusieurs aya dans le Coran Les attributs de Dieu, à l'koudra, l'irada L'assama, l'bassar, l'kalam, l'hayat L'qiyam ben nafs, al hawadis, Ont été cités dans le Coran par les termes ou dans le sens plusieurs, dans plusieurs ayas. les, les C'est pour cela les savants de l'islam ont dit Chaque musulman, pubère, doit connaître ces attributs هذه الصفات يجب معرفتها وجوبا عينيا على كل مكلف على كل مكلف ولما نقول الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء لا يدخل في هذا ذاته وصفاته اون الله كرياتور دو تشوز مي الله في كريي لوي ميم لا يصح ان يقال الله خلق نفسه هذا كلام باطل لا يصح الله ازلي الله أزلي لا يصح أن يكون خالقا ومخلوقا هو خالق وليس بمخلوق الله إله كرياتور مي اون كرياتور لا يصح هذا القول يقوله من لا علم عنده سيختان لوديز بس كي نون با دو سيونس ولما بيسألك ملحد أو سيونتولوج لي زاتي أو لي سيونتولوج هيدول يقولون يل بوز دي كيستيون بقول من خلق الله Il pense qu'il est intelligent et il est un grand stupide. Parce que si Allah est une créature, il ne sera pas le créateur. Si Allah est une créature, il si ne sera pas le créateur. Si Allah est une créature, il sera comme nous, il ne peut pas créer. Si Allah est le créateur, ça veut dire qu'il n'est pas une créature. Mais tu vois, lorsqu'il y a des gens qui posent des questions et qui prouvent qu'il n'est pas intelligent. Je donne l'exemple une fois, Abu Hanifa en face de lui il y avait quelqu'un qui s'asseyait dans sa séance avec une grande barbe et Abu Hanifa n'osait pas tendre les pieds à sa présence parce que tu vois il y a en face de toi un homme voilà il tend pas le pied en face jusqu'à un jour Abu Hanifa il a dit le mardi rentre, lorsque le soleil se couche voilà le coucher du soleil il lui a dit et si le soleil s'est pas couché il a dit, c'est venu le moment pour que Abu Hanifa tende le pied. C'est bon. Parce qu'en fond, il pensait que c'est un vrai alim, c'est un grand savant. Est-ce que ça, c'est une question Maintenant, la question est de Non, Abu Hanifa فلو قيل لفظ شيء يشمل القديم والحادث سيلزم من هذه الآية وهو على كل شيء قدير أن الله متصرف في نفسه كما هو متصرف بغيره وذلك دليل الحدوث لأن كلمة كل من ألفاظ العموم يجاء بأن الكل يراد بها التعميم ويراد بها أيضا الأكثر وهنا لما أنت بتقول يعني الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وخلق كل شيء المخاطب Si quelqu'un te dit oui, mais Allah Ta'ala, on peut dire comme il a dit Abu Hanifa, c'est-à-dire celui qui existe, mais pas comme les existants. C'est lui qui existe, mais pas comme les existants. Alors il dit oui, mais tu as dit Allah il a créé toutes choses, alors lui-même euh, fut créé ou ses attributs, on dit pas du tout, parce que dans le style de la langue arabe, par exemple, tu dis. Si quelqu'un il adresse la parole, il dit, ça veut dire, lui n'est pas inclus. Par exemple, tu dis, Si tu dis dans la langue arabe, je suis rentré dans la maison, j'ai tapé tout ce qui sont dedans. Et ça veut dire, tu t'es tapé toi-même? Non. Toi-même, tu n'es pas inclus dans la parole. Je suis rentré à la maison, j'ai tapé tout ce qui sont dedans. Oui, mais on, bien, on a bien compris qu'il ne s'est tapé pas lui-même, il n'a pas frappé lui-même. Alors, lorsque tu dis Allah a dit Le mot kul, oui, ça donne la généralité et ça donne le, la, 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 le plus ou la. la, 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 la ça donne l'absolu, la généralité absolue et pas, ça, ça donne encore la plupart. Et là, comme je viens de dire, ça veut dire toute chose parmi les créatures, toute chose créée, tout, toute chose qui peut rentrer dans l'existence. Allah, ses attributs ne sont pas inclus par ça. Et il qui Si tu dis tous les savants sont pieux, oui, ça veut dire la majorité des savants sont pieux.

هل يصح ان يكون لله شريك؟ سيت ان لا الله لا يصح لا يصح ان يكون لله شريك هو ازلي ولا ازلي كيف يكون له شريك؟ الله ايترنيل سون ديبي سي با فالاب كيل ان طيب هل يصح ان يكون له ولد؟ است كو سي با لا الله تعالى ادي ما كان وما ينبغي للرحمن ان يتخذ من ولد سبحانه Il y a beaucoup de dans le Coran qui indiquent que Allah n'a pas de fils et ce n'est pas valable selon la raison qu'Allah aura un fils. Mais. Mais, ces questions. Si un athée, un ennemi de l'islam, il te dit Est-ce qu'Allah peut avoir un fils Est-ce qu'Allah peut créer un comme lui Là, tu tu ne réponds pas oui, tu ne réponds pas non. Parce que lui, il te dit, il te dit la question, est-ce qu'il est capable de créer un comme lui ou un fils? Ou que, tu ne dis pas oui, tu ne dis pas non. Alors, la question est fausse, oui, la question est fausse. Pourquoi? Parce que avoir fils vis-à-vis -vis de Dieu, ce n'est pas valable selon la raison. lillahi <messant> walad. Parce que c'est pas valable selon la raison qu'Allah aura un fils. Alors, puisque c'est pas valable, c'est pas valable alors, pas, yani ça rentre pas dans l'existence, c'est pour ça que c'est pas valable de dire capable ou incapable. Je donne un exemple facile, puis après vous comprenez la question. Est-ce que c'est valable dans la raison qu'il y a une voiture qui roule à 100 km à l'heure et stable en même temps اسكو سي فالاب سولون لا ريزون، هل يصح عقلا؟ ان تكون السيارة تمشي بسرعة 100 كيلومتر وواقفة بنفس الوقت هي نفسها. لا يصح. سي با فالاب. ما بيصح ان يكون الجسم متحرك وبنفس الوقت ساكن. سيبا با فالاب كو لو كوغ immobile et en même temps موبيل. يا متحرك يا ساكن. واضح؟ أو مثلا هل يصح أن يكون الشخص ميت وحي بنفس الوقت؟ اسكيلي موغ؟ Et en même temps, il est vivant. Non, c'est pas valable. S'il est mort, il n'est pas vivant. S'il est vivant, il n'est pas mort. toutes ces questions. Si quelqu'un te dit, est-ce que euh, Allah Taala est capable de faire rouler, la voiture roule à 100 km et stable, tu vas pas dire oui, parce que si tu dis oui, c'est-à-dire l'impossible devient possible, tu as renversé la réalité et l'impossible n'accepte pas l'existence. Pourquoi tu as dit oui? قادر أن يجعل السيارة تمشي بسرعة 100 كم واقفة، فقلبت الحقيقة وهي أن هذا أمر مستحيل عقلا لا يصح وجوده، إن كان لا يصح وجوده كيف يدخل في الوجود؟ لا يدخل في الوجود، إن كان لا يدخل في الوجود كيف قلت نعم قادر؟ يعني قلت قادر أن يجعل المستحيل جائزا، قلبت الحقائق. انتبهت؟ فالذي لا يصح أن يقال قادر أن يتخذ ولد، لأنك إذا قلت قادر أن يتخذ ولد ايش؟ زعمت أنه جسما يقبل التبعض. si tu dis il est capable d'avoir un fils c'est comme tu as prétendu qu'Allah est un corps qui accepte d'être divisé et ça contredit le tawhid, ça contredit l'iman ça contredit l'islam tu ne peux pas dire Allah est un corps qui accepte la division et qui accepte d'engendrer, qui accepte d'enfanter il faut pas dire non plus tu n'as pas à dire Allah il est incapable, on ne dit pas ce terme ou d'ailleurs, ça ne se dit pas pour soi, parce que ce qui est demandé, c'est impossible selon la raison. S'il est impossible selon la raison, c'est-à-dire n'accepte pas l'existence. S'il n'accepte pas l'existence, de quel droit tu dis, est capable ou incapable, mais il n'accepte pas l'existence. Alors c'est pour cela la réponse, la, ta question est impossible selon la raison, n'accepte pas l'existence. S'il n'accepte pas l'existence, on ne peut pas dire, il, il peut le faire ou il ne peut pas le faire, on ne dit pas ni l'un ni l'autre. Ce pilier, ce pilier, est-ce qu'on peut dire il est savant ou ignorant Ce n'est pas valable de dire savant, c'est pas valable de dire ignorant. Tu sais pourquoi Parce que pour être savant ou ignorant, il faut avoir la vie, il faut avoir être vivant. Par la suite, tu dis savant ou ignorant, mais il n'a pas la vie. Alors, c'est pour cela, certaines questions, tu sais, c'est pas... C'est pas que si quelqu'un te dit euh, qui a créé Dieu, mais tu dis Allah n'est pas une créature. C'est pas, pas valable selon la raison qu'Allah soit une créature. لو كان l'am yujat يوجد alam. al Parce qu'une créature ne crée rien. La création c'est l'attribut de Allah le créateur. La création c'est l'attribut de Dieu. Et l'attribut de la création, c'est à Dieu une créature n'a pas cet attribut. Une créature n'a pas l'attribut de la création. Si Allah est une créature, il ne sera pas le créateur de ce bas-monde. S'il est une créature, il a eu besoin de quelqu'un d'autre. Et celui qui dit, ah, à chaque fois il y a un, il faut qu'il soit créé. Alors ça amène à l'un. نون كومنسمون، كي اي الذي يقول اي hey, كل كل اله لابد ان يكون مخلوقا، فهذا ايش يلزم منه ما لا اول ان يؤدي الى المحال يؤدي الى المحال، وكل واحد لابد ان يكون له خالق، وكل واحد لابد ان يقول خالق، فهذا له يؤدي الى المحال، فاذا كان يؤدي الى المحال اذا محال ان يوجد العالم، ولكن العالم موجود، فعلمنا ان له خالق وليس له بدايه وليس مخلوق. Hein? Si quelqu'un dit chaque chose existe, elle doit être créée, chaque chose existe, doit être créée même Allah, alors on dit ça amène à l'impossible. Parce que d'après toi, ça n'a pas de début, c'est-à-dire toujours il y a un créateur sans début. Alors ce n'est pas possible que le monde existe, d'après toi, parce que tout est lié à, à ça, et il est lié à à, l à, à au non-commencement. Et ce n'est pas possible que le non-commencement termine, alors ce n'est pas possible que le monde existe selon cette théorie. Mais le monde, elle est là. فهذا يعني أن هناك ليس ليس والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم